Allez, la Switch, je tente un petit retour sur la machine à sous Gold Rush, ça fait un petit moment que je l'ai pu tester. Bon, jeu qui est sympa quand il y a les free games et des jolis symboles statiques, ce qui bien sûr n'est pas tout le temps le cas. Alors 31-25. Allons, on part à 5400, ouais, c'est parti. Jolie remontée sur le précédent jeu, espérons ne pas se taper une jolie redescente sur celui-ci. Skater, oui non, c'était non. Alors les pépites, les wild, les portes de la mine, c'est du high symbol. Bon, ce qui est éventuellement intéressant sur ce jeu, c'est les free games, ça secoue les rouleaux, ça fait pas mal de symboles identiques. C'est pas évident de gagner, ça reste une machine à sous casino. Dynamité Ross, j'espère qu'il va me filer 3 symboles dans pas trop longtemps. Bon, ça, bien sûr, il n'y a aucune garantie, autant jouer pendant une plombe, autant ne jamais les voir. Alors, je vais commencer à 5004, une fois qu'on a 4004, c'est 1000 balles de bouffées par ce jeu. M'enflamme un peu trop avec des hautes mises, je vais suivre le conseil des abonnés, hop, baisser un peu les mises pour tâtonner un peu le terrain en début de partie. Bon, après c'est pas évident parce que c'est des jeux imprévisibles, c'est des tirages aléatoires, donc je sais jamais à quoi s'en tenir. Le chiffre 3 en début de balance. The Street Skater, les 3 skaters un jour peut-être. Il n'y en a qu'un. Trois chances, chiottes d'avoir le troisième. La faire à l'envers le rat. Voilà, deux rats, le troisième rat, oui ou non? Ouais. Un peu déçu, il fallait s'y attendre. Bon, je me disais quand même, trois chances d'avoir le troisième, peut-être que, mais au final, non. Thank you.
problème général de ces machines à sous et des joueurs. C'est un peu comme moi, là j'attends les 3 scatters, les free games. Donc là je suis prêt à me jouer pendant une plombe en attendant que les 3 scatters sortent, un peu comme pas mal de joueurs. Puis si ça sort pas, bah, c'est job la balance. Enfin, je pense que ceux qui battent mes vidéos, c'est plutôt des joueurs soit réguliers occasionnels, donc ils savent de quoi je parle. On joue, on attend les scatters, mais... ça sort, des fois ça sort pas. 3 chances! Non, pas moyen. Ça on déconne, il veut pas. Il veut pas non plus. Ça c'est un coup, est-ce que le joueur il s'enflamme? Tiens, il me reste 3005, 3006. Je vais jouer jusqu'à temps que les 3 scatters sortent, mais s'ils sortent pas, on va le barrer. On y croit. On y croyait au passé. Là quand même, j'avais commencé à 5004, ça fait 2200 balles de bouffée. Ceux qui m'a dans la vidéo, vous pouvez vous dire que c'est vous qui jouez, donc vous avez perdu 2200 balles. Plutôt que de les donner à un casino, bah vous ferez mieux, je sais pas, de vous barrer en vacances avec votre femme, votre famille, enfin voilà, ou de vous acheter un truc. Une petite voiture d'occasion, une petite moto d'occasion, enfin... c'est quand même mieux niveau moralité plutôt que de donner au casino. Bon, par contre, si ça gagne, on va se dire, tiens, bah, j'ai bien fait de jouer, mais... bien sûr, plus de chances pour que ça perde. Je sais que je le répète souvent dans les vidéos, peut-être que je saoule les gens à force de répéter les trucs, mais je sais qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup, donc c'est pas cool. Faut qu'ils se rendent compte quand même qu'ils perdent et qu'ils filent du pognon au casino, donc mettre un petit coup de frein, ça serait pas mal. Alors, le numéro 3, un jour peut-être, va-t-il, une chance sur je sais pas combien. Voilà, c'était une chance sur pas beaucoup. Je parle tellement dans mes vidéos qu'un des doivent couper le son. Tiens, je regarde juste le jeu. Bon bah là quand même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends les 3 scatters? Est-ce que je continue? Est-ce que je me fixe une limite? Peut-être me fixer une limite à 2000 balles, ce serait pas mal. On va peut-être même réduire un peu les mises. Allez, 25 balles les mises. Alors les wins y paieront moins, mais les lose, ça perdra moins vite. Ah ben non, toujours pas. Ouais, vont-ils sortir?
là sur ce jeu il n'y a pas de bouton d'achat de bonus, acheter les free spins, donc faut jouer pour éventuellement les gagner. Toujours la même histoire, il y a je sais pas combien de symboles par rouleau, 30, 40, 50 voire plus, avec un seul scatter au milieu, donc ça fait 3 chances sur je sais pas combien de voir les scatters apparaître. Pour avoir les 3, c'est bonne chance, good luck. On va y croire. On y croit encore. Ouais. Ouais. Ensuite, 250 balles. Parce que là, je pense que d'arrêter à 2000 serait peut-être pas une mauvaise idée. Échec sur le Gold Rush. De toute façon, faut pas rêver, si vous prenez 100 joueurs, il y aura plus de perdants que de gagnants. 1000 joueurs, c'est pareil. Alors, j'aimerais bien gagner et m'acheter une Ferrari, mais non, ça, c'est le patron du casino qui roule en Ferrari, c'est pas les joueurs. Ben ouais, on arrive à 2000 balles. Alors, le dernier spin, l'unique, le seul, le spin chance. Spin chance, pas de chance. Ouais, 75. Si vous pouvez me sortir les scatters maintenant, ce serait un miracle, on va pas trop rêver. Allez, un petit histoire de dire il est là, mais les deux autres ils sont pas là. Ouais, et la lumière fut. Bon, on en reste là, 1996, avantage machine à sous. Ouais, joli score sur le précédent jeu, mais celui-là, pas terrible.